Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de No Man's Sky. Regardez ça, c'est un truc de fou dans le garage là. Ça vole, ça s'envole, ça redécolle, ça redécolle. Ça fait que ça mon vieux. Toutes les deux minutes. J'ai cru que j'allais y foncer dedans à lui. Donc j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de No Man's Sky. Et la dernière fois, je vous avais dit qu'on allait visiter un nouveau système solaire. Et bien c'est ce qu'on va faire de ce pas. Voyez, on va ah bah attendez. Est-ce que je peux faire un voyage de galaxie en galaxie tout de suite? Je crois pas en fait, faut que je trouve un nouveau truc. Attendez, à moins que... Très bien, on est dans ce système là. Donc du coup, ce qui serait bien, c'est que cette fois-ci, on se dirige vers ce système solaire. Voyez? Est-ce qu'il y a moyen de faire un saut directement là-bas? Ok, d'accord. Bon, à mon avis, on peut pas y aller tout de suite parce qu'il me semble que si j'appuie sur Tab... Il nous manque un truc pour le vaisseau, l'hyperpropulsion. Oh putain, je pouvais le faire, j'avais de l'iridium. Oh merde. Bon, ça va se trouver vite fait, il nous faut de l'iridium et un résonateur dynamique. Alors attends, ça va être où le résonateur dynamique? Tac. D'accord, bah il n'y a pas de résonateur dynamique. Oh putain, attendez. Merde. Ah bah j'ai récupéré du tamium, bon, c'est pas mal ça. Oh, bah il y a du tamium là-dedans. Bah vas-y, fais péter. Alors... Ah ouais, ça c'est bien, tu vois. Je peux faire le plein de l'hyperpropulsion comme ça. C'est cool. Ouais, ouais, c'est plutôt cool ça. Je vais faire le plein de l'hyperpropulsion. Voilà, ça c'est cool ça. Bon, déjà, il nous faut de l'iridium. On va se poser sur une planète, tranquille. Donc on va aller sur celle-là, tranquillement. Allez, vas-y, c'est la plus proche. Voilà. Impeccable. En avant. Hop là, on arrive tranquillement. Voilà, yes. Nickel. Ici, il faut qu'on trouve de l'iridium et un résonateur dynamique. Ça va se trouver, je pense. Ah, déjà, ça, c'est quoi? Attendez, je me pose là. Petit point de sauvegarde. Ok. Bon, allez, on redécolle. On se casse de là. Et il nous faut de l'iridium. C'en est pas, ça, des fois? Ça se trouve, c'est de l'iridium, ça. Eh, putain, je suis atterri dessus. Bah! Ah, bah, c'en est. Putain, je suis atterri dessus, carrément, mon vieux. J'ai même pas fait exprès. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Bon! Eh ben on prend ça. Attendez, j'espère que mon vaisseau, il va s'en sortir là. Oh ce délire, regardez, je crois bien que ça a fait bugger mon vaisseau. Merde. Putain, qui c'est qui m'attaque là? Ouais, personne. Oh le délire, je peux pas aller sur mon vaisseau. Bon bah écoutez, je crois que je vais devoir charger la partie. C'est un truc de malade. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Ma foi, je suis atterri sur le truc d'iridium. Bon. Ah bah attendez, bah j'ai un jetpack moi. Allez. Ah non! Attendez, je vais essayer de monter sur celle-là. Voilà. Ouais, yes. Je vais pouvoir arriver sur le vaisseau, regardez. On va pouvoir y arriver. Oh putain! Oh, excellent. Excellent. Oh yes! Oh la chance! Oh la chance, mon vieux! Donc, au niveau de l'iridium, qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit que. Hey! Ça dit que j'en ai pas mal quand même. Hein? Ah ouais, hein. Par contre, j'ai pas le résonateur dynamique. Je suis sûr que ça se vend chez un marchand, ça y a moyen. On va aller chez le marchand, c'est parti. Let's go. On va aller voir le marchand s'il a pas le résonateur dynamique. Pourquoi pas? À mon avis, il y a moyen. On va aller voir ça bien gentiment. Voilà. Vas-y. J'arrive. Salut, salut. C'est que moi. Je fais que passer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un résonateur dynamique là-dedans? Acheter des articles. Et bah voilà. Tu vois? Alors. Oh putain, 32 000 unités, mon vieux. C'est délire. C'est cher. Mais je l'achète. Ouais, il me le faut, hein. Sinon on part pas de là, mon vieux. Bon, et bah, je repars. Je passais juste pour ça, en fait. Salut. On se casse de là. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il y a moyen maintenant? Et bah voilà. Nickel. Il faut quoi pour le recharger? Cellules de distorsion. Ah ouais, des cellules de distorsion, je crois que je peux en faire. Si je ne m'abuse. Il faut un antimatière. Un antimatière. Je retourne chez le marchand. Rebonjour, c'est moi. Cette fois-ci, il me faut un antimatière, mon vieux. Alors, il y a ça dans les stocks ou comment ça se passe? Acheter. Antimatière. Et oh, il doit bien avoir ça là-dedans, lui, non? Hein? Quand même. Dis-moi que oui. Même pas? Eh ben non. Eh putain, c'est quoi ça? Comment que ça coûte cher, ça, mon vieux? 2 millions et quelques. Bah. Bon, eh bien, il n'y a pas d'antimatière. On est dans la merde. Où je vais trouver ça, moi, l'antimatière, mon vieux? Je vais trouver ça où? C'est un truc de malade. Je vais aller là-bas. Oh putain, c'est quoi ça? Vas-y. Oh la stéroïde de malade, mon vieux. Regardez ça. Oh, je suis en surchauffe.
suis en surchauffe. Voilà. Ah, yes, du nickel. Nickel, ça. Impeccable. On va freiner un peu. Ah, yes. J'ai récupéré pas mal de nickel, là. Oh, regardez, franchement, comment c'est bien fait. Putain, le truc, on dirait de l'or, quoi. Ok, c'est bon, j'ai tout pris. On va aller sur la planète, là-bas. C'est parti, let's go. Propulsion activée. Ok, arrivé dans 7 secondes. On y est, tranquillement. J'espère qu'on va trouver un antimatière ici. Ce serait plutôt cool. Oh! Il y a de l'eau ici? Il y a de l'eau ici. Ah ouais. Tiens, j'avais pas été ici. On va se garer, tranquillement. Vas-y, gare-toi. Yes. Ah, par contre, vous voyez que des fois il y a des petites saccades, hein. Franchement, bon bah, le jeu manque clairement d'optimisation. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Point de restauration enregistré. Attendez, parce que là, j'ai vu de l'eau. J'ai envie d'y aller. Je vais d'abord rentrer ici. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Relais. D'accord. Apparemment, un appel de détresse automatique envoyé il y a bien longtemps n'a pas reçu de réponse. Si je pouvais pirater la séquence d'encryptage, je pourrais potentiellement extraire les coordonnées. Code 180. Peut-être. Aucun signal trouvé. 720. Ah bah voilà. Coordonnées du signal de détresse obtenu. Yes. Et c'est peut-être là-bas que je vais trouver mon antimatière. Allez savoir. Avant-poste Neutem découvert. Non découvert, d'accord. Très bien, déjà je prends ça et on se casse de là. Par contre j'ai envie d'aller dans l'eau là. J'ai vu de l'eau pas loin. J'ai envie d'aller me baigner un petit peu. Oh regardez ça, c'est quoi ces machins? On va analyser ça. Ils sont gentils. Adulte, femelle, serviable, herbivore. C'est bon, impeccable. Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille. Par contre c'est pas le même lui. Si. C'est pas le même. Eh ouais, tu vois, c'était pas le même. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça a l'air énorme par là. Allez, on se jette. On s'y jette. Oh putain, c'est quoi ça? Ce délire, des poissons, mon vieux. On va pouvoir aller à la pêche et tout. Rudy Rocha, d'accord. Ça marche. Brouteur craintif. D'accord. Ok. Oh merde. L'oxygène. J'ai complètement zappé l'oxygène. Du carbone. Ok. Ah regardez, il y a une grotte là-bas. Il y a carrément une grotte là-bas. Oh, regardez ça. On va pouvoir aller explorer là-dedans. Attends, je vais allumer ma torche. Voilà. Ouais, 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 ouais. Je dis ouais, c'est quoi ça? Nouvelle découverte. Koi délicat. Ok. D'accord. Par contre, on va remonter parce qu'on est assez profond là. Ouais, on est vachement profond là. Ouais, c'est bon, tranquille. Ah par contre vous voyez il reste pas à la surface, c'est dommage. Ah si, si on monte comme ça c'est bon. Enfin il peine un peu hein. Mais bon, voilà, nickel. Ok, oh, platine, je prends. Bon bah du coup vous voyez que c'est pas encore pour maintenant qu'on va aller dans une autre galaxie. Je me suis complètement planté, je pensais que c'était plus simple que ça. Et finalement, non. Finalement c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Parce que faut trouver les bons trucs. Mon vaisseau il est là-bas. D'accord, faut qu'on aille là-bas. Oh, regardez le cratère qu'il y a, quoi. C'est un truc de malade. Faudrait que j'aille là-bas. J'aurais pas assez de mon jetpack, hein. Je vais aller voir là-bas. Ah, c'est quoi ça là-bas? Dis-moi que c'est ce que je cherche. Non, c'est pas du tout ça. Flore, bouclier. Bouclier au maximum. Ok, d'accord. Ah, regardez, on a un truc de santé là-bas. Ça a l'air plutôt cool. Eh, vous avez vu qu'il fait froid sur la planète? Moins 40. J'avais même pas fait gaffe. Il fait moins 40 ici. C'est un truc de malade. Ça, on va analyser. Je l'ai déjà découvert. Oh merde! J'ai pas fait exprès. De l'iridium! Vas-y, fais péter l'iridium. Putain, mon vieux, regarde ça, mon vieux. Des caribous transgéniques.
C'est quoi ces machins? Rao, dites, putain, c'est quoi ce machin? Regardez comment que c'est énorme. On dirait une girafe avec... avec je sais pas quoi, mon vieux. Regardez, même là-bas. Bourlingueur! Bourlingueur, mon vieux. 15 000 unités parcourues. On est un bourlingueur. Ah, ça... Qu'est-ce que j'ai bourlingué, mon vieux? Regardez, c'est quoi ce machin, cette espèce de dragon, là? Voilà, analyse, vas-y. Ok, ça marche. Ça, j'ai déjà découvert. Ah, il y a une épave de vaisseau. Je suis à 5 heures de marche, là. Ouais, ça va être chaud. Je vais retourner à mon vaisseau. Impeccable, on est retourné à notre vaisseau. Nickel. Du coup, on va le prendre. Et on va aller voir l'épave, là-bas. Parce que ça, ça m'intrigue, tu vois. Regarde, signal détecté. Voilà, on va aller là-bas, tranquillement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Une petite visite en même temps. Ah, franchement, elle est sympa, cette planète. Elle est vachement sympa et tout, avec de l'eau, là. J'aime bien. Je suis à 11 minutes pour arriver au vaisseau. Ben, on n'est pas arrivé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de l'atmosphère pour aller plus vite. Vous allez voir, ça va aller bien plus vite. Attendez, je vais mettre un coup d'hyperpropulsion. On va y arriver. Bah, mon vieux. Putain. Ça va vite, cette connerie. Alors, qu'est-ce qui se cache à cette épave de vaisseau? Tranquille, tranquille. Tranquillement. Tranquillement. Voilà. Nickel, c'est bon. Impeccable. Ça, par contre, je prends, c'est quoi? De l'aluminium? Vas-y. Je prends. Ça coûte peut-être cher. Déjà, il y a une pierre de savoir, là. On va aller voir ça. Alors, vous avez appris le mot « né » en geek. Je vais recharger ça. Elle est là-bas, l'épave. On va aller voir ça. Regardez ça, c'est quoi ce machin? Elle est où, l'épave? Elle est tout droit encore. Ah, c'est là, on y est. On va aller voir ça, on va peut-être trouver des trucs intéressants. Destination atteinte. Bah ouais. Ouh, c'est intéressant. Ah, en fait, je pourrais le réparer, ce vaisseau. Il a l'air d'être mieux que le mien, hein. Par contre, pour le réparer, faut des ressources, hein. Disons qu'il se répare pas comme ça. On va regarder ce qu'on peut trouver à côté. Ici, éclat de blindage, ok. Plutonium. Ça, ça va être une nouvelle technologie. Ok, refroidissement avancé Sigma, d'accord. Bon bah en fait finalement il n'y a pas grand chose ici. Il n'y a pas spécialement grand chose. Il y a un avant-poste là-bas. Ouh, c'est quoi ça? C'est de l'or? Emeril. Ah ouais? Vas-y, je prends. Ça peut servir. Bon alors l'Emeril, disons que... disons que j'en aurai largement assez, mon vieux. Putain, c'est un truc de malade. Je vais même en avoir trop, je crois bien. Ouais, par contre, je sais pas où on va trouver l'antimatière. On va retourner au vaisseau tranquillement. Hop là, il est là le vaisseau. Ah, tranquille. Impeccable, nickel. Allez. On bouge de là. Alors, il est où l'antimatière là? Déjà, on va aller à l'avant-poste tranquillement. Ça se trouve, on va en trouver là-bas. On va sortir de l'atmosphère et on va y aller plus vite. Parce qu'en fait, dès qu'on est sorti de l'atmosphère, on peut faire ça. Regardez. Et ça, on peut pas le faire quand on est dans l'atmosphère. On y est, c'est impeccable. C'est ici. Parfait. On y go. Allez. On va aller voir ce qui se cache ici. J'espère que je vais trouver l'antimatière là, franchement, parce que ça, ça me chagrine. Je sais pas où c'est que ça se cache, mais je compte bien le découvrir. Allez, dis-moi qu'il y en a ici là. Ah bah c'est sympa par ici. Alors, c'est ouvert. Tiens, 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 salut, salut. Salut, salut, comment tu vas? Inventaire plein. Voilà, tout ça on va transférer dans le vaisseau. Impeccable. Alors, maintenant. Salut. Salut, salut. Oui, il dit pas un mot que je connais. La petite créature aux yeux brillants est le seul occupant du bâtiment. Nous ne partageons aucun langage, mais il est évident que mon compagnon préférerait ne pas être là. Comme auparavant, il me transmet un message une fois encore envoyé par Nada et Polo. La lettre concise est accompagnée d'un don d'antimatière de la part de ces mystérieux bienfaiteurs. Suffisamment pour que je puisse fabriquer une cellule de distorsion pour l'hyperpropulsion. Yes! Donne-moi bien sûr l'antimatière! Je ne sais pas davantage qui sont Nada et Polo, mais je peux maintenant les situer. Je soupçonne fort devoir choisir entre les... Putain, j'ai pas le temps de lire à chaque fois. C'est dingue, ça. Alors... Oh, merci, ça fait plaisir. Attendez, on va y reparler. Est-ce qu'il peut nous aider à apprendre un mot ou je sais pas, sûrement. Demandez un nouveau mot. Allez. Le marchand accepte de m'aider. Yes. Vous avez appris le mot détruire en geek. D'accord, très bien. Eh ben, c'est super sympa. Ah, c'est ouvert ici? Ouais, ici, j'en viens... Et ici c'est pareil, ok. Et là-bas c'est fermé, d'accord. Ah yes, c'est cool. On va pouvoir changer de galaxie. Ça c'est parfait. On va réparer, enfin on va faire le plein du truc. Voilà, vas-y. Fais-moi le plein de ça. Quoi? T'es sérieux?
Elle est où l'antimatière là? Ah oui, il faut que je fasse. Bah oui, c'est vrai. Il faut que je fasse ça. Attends. Voilà. Ça. Ça. Yes. On va pouvoir décoller. C'est bon. Vers l'infini et l'au-delà, mon vieux. Là, c'est parti, là. Alors. Allez. Ça. Oh, il n'est pas rechargé à fond, hein. Tu vois, je suis juste à 20%. Va falloir que j'en fasse bon usage, tu vois. Allez. On décolle vers d'autres horizons, c'est parti. Let's go. Et il y a toujours mon cadavre là-haut, tranquillement, qui est sur l'autre planète. D'accord. Bon, cette fois-ci, je crois qu'on va pouvoir se casser de là. Allez, on va aller... où est-ce qu'on va aller? Bah, on va aller dans le sens des choses, hein. De toute façon, voilà. Ce serait le mieux, c'est d'aller par là. Est-ce qu'on peut voyager? Calcul de distorsion validé. Ok, ah. Yes. Ok, c'est parti. Voyage surdimensionnel. On est parti dans une nouvelle galaxie. Pas une nouvelle galaxie, un nouveau système solaire. Et là, ça va être plutôt cool, je pense. Attention, on arrive. Yes, système Gamma Akita Wa 18e galaxie Euclide. Vous avez découvert ceci le 13/08/2016. Waouh, waouh, waouh. Ça a l'air génial ici. Déjà, on a une station juste en bas. Ok. On a une planète là-bas qui n'a jamais été découverte. On a une planète là-bas aussi. Et on a, bah, on a une planète juste ici. D'accord. Donc, on a trois planètes, en fait. Ah, trois, quatre. Quatre. Quatre planètes, mon vieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller visiter celle-là. On va aller tout de suite sur celle-là. Allez, on va passer en mode hyper propulsion. Et c'est parti. Comme ça, ce sera la première. Ouah, yes. Ça a l'air pas mal par ici. Ça a l'air vachement sympa par ici. Point de restauration enregistré. Planète glaciale, météo vert glacé, sentinelle typique, flore typique, faune ordinaire. Vous avez découvert ceci le 13/08. Ouah, regardez ça comment que c'est excellent. C'est super beau. C'est super beau. C'est magnifique. Par contre, ça fait moins 51 ici. Oh, c'est quoi ça? Il y a une bestiole. Elle est toute petite. On va l'analyser. Voilà. Genre majeur, tempérament docile. Ok, d'accord. En bas âge. Donc ça, déjà, je prends... Oh, de l'or. Regardez ça, comment qu'on va se régaler. Ça, on va revendre ça directement chez les marchands. On va se mettre super bien, là. Ah bah, je crois que mon vieux, là, au niveau or... je crois qu'on va être pas mal, hein. Bah là, on va aller revendre ça, laisse tomber, toi. Pff, valeur totale, 55 000 unités et 16 000 unités. Oh, par contre, regardez, j'ai ma combinaison qui est en train de geler. Regardez en haut de l'écran. Alors, attendez, je vais... Voilà, je vais faire ça. Yes, c'est bon, j'ai moins froid d'un coup. On va retourner au vaisseau, tranquillement. On va aller se réchauffer les miches un petit peu. Parce que, mine de rien, ça caille. À mon avis, si je vais dans l'eau, ça caille encore plus, je pense. Ah oui, effectivement, oui. C'est délire. Oui, oui. Ça fait encore bien plus froid quand on va dans l'eau. Bon, on va aller se réchauffer. Ah bah regardez. Regardez la température dans le truc, 19 degrés. Tranquillement. Ça fait bon. Allez, on va faire un petit tour. Tranquillement. On va d'abord faire un petit tour là-bas. Au point d'interrogation. Parce que ça m'intrigue. Ça va se passer sous l'eau, mais je risque d'avoir froid. Il est où le point d'interrogation? Bah je le trouve plus. D'accord. J'ai perdu le point d'intérêt. Alors attendez, je vais redécoller. Il doit pas être loin. Suivez le signal jusqu'à l'usine extraterrestre. Ah ouais? Bah écoutez, bah j'ai plus de point d'interrogation, c'est dommage. On va suivre le signal jusqu'à l'usine extraterrestre. C'est parti. On va y aller en mode hyper propulseur. Voilà, tranquille. Un petit voyage de 35 secondes. En tout cas, franchement, pour l'instant, ce No Man's Sky, bien. Bah la preuve, ça fait 3 heures que je suis dessus. Et je l'ai pas lâché. Voilà, tout simplement. Une bonne session de jeu, quoi. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. Je suis tellement plongé dedans à faire mes petits trucs et tout. Franchement, c'est stylé pour l'instant. J'aime bien. Il y a pas mal de joueurs qui se sont plaints pour l'instant du jeu, mais moi, non. Voilà. Mis à part, bon, bah c'est vrai qu'il est pas spécialement très bien optimisé. Mis à part ça, c'est tout. Franchement, moi, je trouve que, voilà. Il y a moyen de s'amuser dessus pour le moment. Allez, on est presque arrivé. Dans quelques secondes, ça va être cool. On traverse l'atmosphère. Et on arrive à l'installation de production. Donc l'atterrissage, il s'effectue tout le temps de manière automatique. Passage Raceway, non découvert.
Météo bon, sentinelle détendue, flore manquant, faune inexistant. D'accord, ça veut dire que il n'y a pas d'animaux ici. On croisera pas de créatures. Par contre, il y aura un peu de flore. C'est ça, hein, la flore, c'est les plantes et tout. Et la faune, c'est les animaux, il me semble. Si je ne m'abuse. J'ai tendance à confondre les deux à chaque fois. Ici, c'est fermé. Acier. Est-ce qu'il y a moyen de le détruire? Peut-être avec ça. Ah ouais, il y a moyen. Ok, on va détruire la porte tranquillement. Attention, renfort sentinelle. Ouh! Ouh, putain, merde, on est dans la merde. On est dans la merde. D'accord, dégage. Vas-y, on va déglinguer ça tranquillement. Allez, vas-y, vas-y, recharge, recharge. Vas-y, on se casse de là. Putain, ils font chier les sentinelles là. Dégage de là. Vas-y, prends ça. Ça, c'est bon. Il y en a une qui est déglinguée. Allez, vas-y, prends ça dans la tête. Voilà. Yes. Plus qu'une. Dégage. Yes, c'est bon, on est bon. On va ramasser les débris. Yes, accélérateur de recharge. Ok, je prends. D'accord, c'est parfait. Ici, je prends. Et ça, je prends. C'était pas évident là. Étape de voyage atteinte. On va dégonder ça, tranquillement. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Dégagez! Lâchez-moi, bordel! Attendez, je vais essayer de me dépêcher d'arracher ça. Vas-y, 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 vite fait là, vite fait. Allez, c'est bon. Vas-y, lâchez-moi. Tu vas pas me dire qu'ils vont rentrer, non? Ils rentreront pas, c'est bon. Ouais, ouais. Allez, dépôt, interagir. Quelque part sous mes pieds, j'entends le grondement continu d'une machine automatisée. Je ne connais pas son rôle, ni ses propriétaires. Un écran se met à clignoter et des lettres s'y inscrivent. Nada nada, fuyez Atlas, trouvez-nous nada nada. Puis une formule apparaît, elle me permet de fabriquer ma propre antimatière. Ah yes, prendre la formule de l'antimatière, ça c'est cool. On va désormais pouvoir fabriquer notre propre antimatière et ça c'est cool. Donc pour l'antimatière, il nous faut de la vapeur à électrons, de l'iridium et du zinc. Ok, il nous manquerait que de la vapeur à électrons. Nouvelle technologie découverte, grenade rebondissante, du zinc, de la platine et de la chrysonite. Ok, ça marche. Bon, on va se casser de là en espérant que je me fasse pas attaquer par les drones. Wow, ils sont où? Ils sont là? Arrête. Un petit point de sauvegarde juste ici. Vas-y, fais péter la sauvegarde. Voilà, nickel. Yes. Ok. Ah yes, capsule énergétique. Pas mal. Et il y a une grotte là-bas. Et ça me dit bien d'aller voir ce qu'il y a dedans. Mais vous savez quoi? On va s'arrêter juste ici. Et puis on ira voir ce qu'il y a dedans la prochaine fois. Et puis on ira voir certainement d'autres planètes, d'autres galaxies, d'autres extraterrestres. D'autres plein de trucs encore. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde! Bye!